Les journalistes de loi, c'était qui? Oui, vous l'avez dit, les journalistes de loi, c'était les griots. C'était les griots. Très bien. Alors, qui est griot dans la classe? Moi. Oui. En tant que griot, comment autrefois, les grands-parents, par exemple, ton grand-père griot, enseignait l'histoire à ceux qui ne sont pas partis à l'école. Donc, avec ton tam-tam, tu viens nous montrer ça. Les royaumes aussi et les fondateurs sont. Le royaume de Ouagadougou. Fondé par Koubli. Le royaume de Tankouroko. Fondé par Wendaogo. Le royaume de Yatianga. Fondé par Yadega. Le royaume de Gourma. Fondé par Diabalompo. Depuis la nuit des âges, le savoir en Afrique a longtemps été transmis oralement aux générations montantes. Dans un langage codé, fait de sons et de rythmes, l'enfant pénétrait dans l'univers de sa culture pour apprendre, retenir et transmettre. Chez les Mossé au Burkina Faso, le Bendré est le livre qui parle, raconte les faits, les us et coutumes de la culture et de la tradition. Le Bénré tient une place prépondérante dans la cour royale et rythme la vie quotidienne et cérémoniale chez le chef. Chaque Bénré a son langage et s'exprime suivant l'histoire de chaque contrée. Il utilise des formules propres à lui et à la personne à laquelle il s'adresse. À Relga, dans la région de Kaya au Burkina Faso, Sa Majesté Nabati Kré, chef de Pikou, dispose d'une école traditionnelle de Bénré où les enfants des griots apprennent à la suite de leurs aïeux l'art de raconter et de perpétuer le langage du Bénré. Faire parler le Bénré est un secret des initiés. On n'improvise pas. Il faut qu'on doit recoller rien. La nuit, on verra. Par un quoi, va.
Param Touri. Comme ça, signe. Il a vraiment quoi, parce qu'on a vu que je suis en train de faire. Il y a un peu de temps. Je m'appelle Bargo Souleymane. Je fais la classe de CED. Je suis dans le village de Delra. J'aime jouer le bendé avec mon grand-père. C'est le chef. Je m'appelle Bargo Daouda. Je suis en classe de CM1. Je suis dans le village de Delga. J'aime jouer le bendé avec mon grand-père. Avant, il avait une peine. Et après, il a dit que le bouton rombo bon. Il a bien la hampening, man, on l'a hobo. Quand on a besoin de l'autre, on a besoin de l'autre. Boum, on a besoin de l'autre. 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 Maintenant, le sixième profondeur de mon père, il est bien. Il y a un peu de bendre pour changer. Il y a un bambou, 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 il y a un. Quel homme, Éléments d'information et de renseignement pour le NABA, le Bendré stimule en temps de guerre, alerte quand il y a danger, convoque en cas d'urgence, divertit en période de gaieté. Chaque note, chaque rythme est propre à une situation. Les gens sont en train de délaisser les traditions, or que c'est quand même assez profond pour notre culture. Les gens aiment où ils sont.
Calame con yon pang saba. Chebro, Nel panong si ba kabuh kila kabuh bu, manakan kila kabuh bu, manakan kila kabuh bu, ay wot mo sa. Le nombre d'enfants qui viennent ici pour apprendre le bénin, il faut dire qu'ils sont devenus très nombreux. Au début, ils n'étaient que deux ou trois. Actuellement, ils sont au nombre de 14 ou 15. Enfin, disons que c'est toute la famille de Benlé qui se présente ici pour pouvoir apprendre le Benlé. Bon, on est à tel point même qu'on est obligé de limiter. Mais parce qu'il y a des gens même qui ne sont même pas de Benlé qui veulent s'initier au Benlé. Donc, on s'attelle seulement aux gens qui sont de la famille de Benlé. Je suis venu à la maison. Je suis un peu plus de temps.